Bonjour, bienvenue donc à la visite du 3-4 pièces rue de la Faisanderie dans le 16e. Donc c'est au premier étage, il est traversant une plus grosse partie sur rue et une partie sur jardin. Donc on arrive, excusez-moi, c'est un peu flou, sur cette galerie d'entrée, cette belle entrée hein, qui est assez spacieuse. On a ici un placard à l'entrée. Le séjour en face, un WC invité avec la lave-main à l'entrée également. Voilà, on aura un espace chambre et la cuisine à droite. Donc double living, assez vaste, qui peut éventuellement être fermé hein, si vous le souhaitez à ce niveau-là, pour ajouter une chambre. Tout ça donne donc baie vitrée coulissante, double vitrage, alu, en très bon état. Ça donne sur un grand balcon tout le long de l'appartement, côté faisanderie. On a également la cuisine. Vous avez de l'éclairage sur le balcon. Par ici, on va trouver donc la cuisine. Vous avez une porte de service et donc la cuisine qui est tout en longueur. Donc ici, le four. Voilà, tout en longueur jusqu'au balcon. Tout ce qui est chauffage et collectif dans cet immeuble-ci, l'eau chaude également. Ici, à vérifier. Ça me semble possible d'ouvrir quand même à vérifier. Et donc en face, vous avez la partie nuit. Donc là, elle est composée en deux chambres. Excusez-moi, ça, j'ai du mal à faire la mise au point. Une première chambre de ce côté-là. Donc avec sa salle d'eau. Alors le courant a été coupé par EDF, donc je suis au flash. C'est pour ça que la mise au point n'est pas terrible. Vous avez ici une cabine de douche, un bidet et un meuble vasque en face. Également plusieurs placards dans le sas avant la chambre. Ici, ici. Et on arrive donc dans la chambre qui est assez spacieuse hein, également. Avec accès toujours au balcon avec ces mêmes fenêtres. Hein. Chauffage sous les fenêtres, un placard également dans la chambre. Et donc en face côté jardin, vous allez retrouver la seconde chambre. Donc pareil ici, un espace dressing, une salle d'eau avec WC, donc la baignoire WC vasque, et un lave-linge également ici. Et donc la seconde chambre, donc côté jardin, même chose, elle a aussi son placard. Un jardin à copropriété, bien entretenu. Donc deux belles chambres avec rangement pour les deux, salle d'eau pour les deux, celle-ci a un WC en plus. Et la pièce de réception cuisine avec l'entrée, toi est invité. La carte d'entrée, voilà, un plan super fonctionnel qui peut être modulé hein, différemment, je pense. Gardien dans l'immeuble également, bien, bien assez sympa. Voilà, vous avez tout vu pour ce 3 pièces de la rue Faisanderie.